Bonjour à tous et bienvenue dans la Nalée du Sceau. On se retrouve aujourd'hui pour les infos de la semaine. Ça y est, le nouveau Mister Mali France a été élu le week-end dernier au théâtre Armand Béjart à Asnières-sur-Seine. À la suite donc d'un show exceptionnel, c'est Madji Sidibé que les jurés ont sacré Mister Mali France 2022 devant plus de 800 personnes, aux côtés de ses dauphins, Djombana Mahamadou, Soumaré Djibril, Bapali et sans oublier le coup de cœur du jury, Kanté Diarra. Bravo aux candidats pour cette magnifique élection, félicitations aux gagnants et merci au comité Mister Mali de nous avoir offert un spectacle extraordinaire. N'hésitez donc pas à suivre l'aventure du nouveau Mister ainsi que son projet humanitaire Waterfree qui, on le rappelle, a pour objectif de créer un puits au Mali afin de permettre l'accès à l'eau potable à un village. Toutes les informations sont disponibles sur la page Instagram mentionnée ci-dessous. Les portes de la masterclass Insta Boost de chez Suitacom sont ouvertes. Cette masterclass sera 100% pratique, il y aura un show à la Leila et plein d'autres surprises. Le nombre de places demeure limité, alors rendez-vous directement sur la page Instagram Suitacom, le lien figure en bio. On clôture les infos de la semaine avec notre Naledi Cassandra qui lance un mastermind nommé Butterfly Power. L'objectif est de vous aider à devenir leader de votre vie à travers divers outils tels que l'Ayurveda, l'art-thérapie, le coaching business ou encore la communication quantique. Le mastermind débutera en décembre, les inscriptions sont donc ouvertes, alors rendez-vous directement sur la page Instagram mentionnée ci-dessous. C'est tout pour les infos de la semaine, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Niara alias Naledi. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Plein de bisous les Naledi. Si toi aussi tu souhaites faire briller ton étoile dans la Naledi Sceau et nous présenter ton activité, n'hésite pas à nous contacter par mail, par téléphone ou directement via les réseaux sociaux. À très bientôt.